Bonjour, Nicolas Grémond Pré, tromboniste, je fais mon premier album. Là, on a passé 4 jours, c'est une sorte de petite résidence, tous les copains sont là, ils ont tous répondu présent. On a ces petits moments de convivialité, tout le monde. On a réussi à créer un peu cette magie qui se passe à chaque fois qu'on se retrouve 4 jours au même endroit, dans un beau lieu, et avec des fabuleux musiciens qui m'ont aussi donné toutes ces émotions. Et ces émotions, j'ai envie de les retransmettre un peu dans l'album. Alors j'ai pioché un petit peu partout. Mes souvenirs du conservatoire, mes souvenirs d'arrangement avec mes cordes, mes envies de rejouer quand je faisais de l'orchestre symphonique, remélanger un petit peu tout ça, faire une sauce entre le symphonique, le jazz, les anciennes rencontres, toutes ces émotions-là, j'ai voulu en refaire un petit melting pot et de mélanger un peu tout ça. Bon, c'est bien, je vais écouter tout ça. Dany, il a cette petite touche survolée. Alors je me suis dit, je vais la mélanger avec nos amis cordes. Et essayer un petit peu de trouver cette ambiance, un mélange d'énergie simple qui, je trouvais, se mariait très bien avec le son du vibraphone. Je joue du vibraphone depuis pas mal de temps. Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir participé à cette séance d'enregistrement avec un jeune tromboniste qui est un de nos meilleurs trombonistes en France, qui s'appelle Nicolas Grémond-Pré. Et ça me fait d'autant plus plaisir d'être aujourd'hui avec lui pour cette séance d'enregistrement. Moi, j'étais en stage de musique et je voyais sur scène les grands. Et les grands, c'était les François Tullier et les Claude Egea dans mes stages de musique. Et puis plus tard, je les ai rencontrés un peu sur scène. Salut, salut, tout va bien? Oui, je m'appelle François, je m'appelle Nicolas. Bonjour, je suis François Tullier. Je suis très heureux d'avoir collaboré au disque de Nicolas, que j'ai rencontré au siècle dernier, dans des stages et dans des masterclass où j'étais professeur. Et à son tour, il m'a appelé pour jouer. Mais j'en suis vraiment très heureux, parce que c'est un super tromboniste. Je m'appelle Claude Egea, donc je suis trompettiste. Je suis très très heureux de participer à l'album de Nicolas Grémond-Pré, que j'ai rencontré dans l'orchestre de Laurent Mignard. Voilà, il a pensé à moi, il m'a appelé. Je suis très content. Aurélie Tropé, qui nous fait des super solos, ses ambiances. Je suis très content parce que ça a matché tout de suite. On a fait des belles petites bulles de douceur. Ça me fait super plaisir d'être là pour Nicolas et de participer à ce projet magnifique avec des musiciens formidables. Philippe Milanta, merveilleux pianiste. Je connais Nicolas Grémond-Pré depuis longtemps. Je suis très content qu'il ait pensé à moi. Je vais être invité, puis finalement, je fais partie de presque tous les morceaux de ce projet, avec des intervenants fort intéressants qui changent les textures et les sons au fur et à mesure des morceaux et de leur arrivée. Hello, check test 2. Oui. Alors Sylvia, tell me it's the truth avec mon accent. Je suis assez amoureux du timbre de voix de Sylvia. Hello everyone, my name is Sylvia Howard and I'm jazz and blues singer. On avait déjà joué sur scène grâce à Laurent Mignard, le Duke Orchestra. Et dans ces histoires des émotions, je me suis dit un jour quand même, ce serait super de revivre. Tell me it's the truth, a Duke Ellington song. What a pleasure to do it with that Nicolas and the guys. Set the gospel truth. Ooh.
I was very, very happy that Nicolas contacted me to participate. It's been a real pleasure, and I hope it's not the last time. Thank you. It is right, and it's right, right. Oh, tell me it's the truth. Même esprit de retrouvailles, on s'est monté un petit all-star. On a essayé de s'amuser, de retransmettre dans ce disque notre énergie qui arrive de nos concerts. Et puis on s'est amusé. On a essayé de transmettre un petit peu cette énergie de la Nouvelle-Orléans version 2021. Et merci bien sûr à mes compères de longue date, hein, Sébastien Dewal, Jacinto Carvajal, qui sont mes amis lillois, mes compères musicaux qui me soutiennent depuis un petit moment quand même maintenant. À partager ça, ils m'ont aidé aussi à cette conception, à faire des petites maquettes au début pour lancer le projet. Et dire c'est bon Nico, on y va, fais ça, on est parti, on fonce. Et voilà, c'est les potes et merci à vous pour votre application. Ça a été un vrai plaisir de partager les pistons et la cuivraille tous ensemble. J'espère que ça vous plaira, qu'on va réussir à transmettre les bonnes ondes qu'on a enregistrées tous ensemble. Nous, on s'est bien amusés à faire ça. Voilà. En tout cas, moi, je suis ravi. On peut enregistrer ? Ça tourne, ok. Ça tourne en Nico. On l'a dans la tête. Pour moi.